C'est complètement fini. Ah bah non. Ok. Oui, c'est bien de la... Eh oui. De la contrebande. Le problème, c'est que... Je sais pas encore qui peut me récupérer la contrebande. Barrett, il doit bien le savoir. Après, c'est vrai que le gars... Ah non, il était juste bizarre. Sir Wolf, il était un peu bizarre. Enfin, il donnait l'impression que... On est là pour vous rendre service, et du coup... en insistant bien. C'est vrai qu'il a quand même insisté. Moi, je l'ai compris en mode... Si t'as de la marchandise un peu bizarre, je serai là. Bon, avant d'aller sauver Percival, il faut que je me libère de la contrebande. Et j'espère qu'ici, sur la tanière, je pourrai la vendre. J'ai quand même eu l'impression que le vendeur me disait... T'inquiète, on accepte toutes sortes de marchandises. Bonjour. If there's anything I can do for you, please say that. May I be of service? Possiblement. I hope we have what you need. Je l'espère aussi. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de marchandises? Ça a l'air. Eh bien, impeccable. Impeccable, impeccable. Je vais en profiter pour vendre aussi ce que je n'ai pas besoin. Comme ça. Ça fera de la place. En vrai, ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Pour l'instant, je vais garder les... C'est vrai que j'ai beaucoup d'armes. Mais il va surtout falloir que je commence à avoir pour les améliorer. Ça, je peux vendre sans souci. Ça aussi. Tout ce qui est nourriture, en vrai, c'est pas... Faut que j'arrête de la ramasser, en vrai. Pour l'instant, c'est pas... Quand ça sera utile, peut-être que je commencerai à en re-ramasser. Mais là, ça sert pas à grand chose. Ici, c'est tout mon matériel. Et sur mon vaisseau, qu'est-ce que je peux vendre? Ben, en vrai, sur le vaisseau, j'ai que du... Ouais. Sur le vaisseau, ben merci. Hein, ce fut un réel plaisir de faire affaire avec vous. Sur le vaisseau, j'ai que des trucs pour crafter. Alors, je pense que... Là, mon petit Vasco, on se fait encore une petite journée aventure. Mais après, il va falloir se poser pour regarder un petit peu ce qu'on peut fabriquer. Peut-être voir aussi pour poser notre premier avant-poste. Mais bon, pour l'instant, opération sauvetage. Enfin, sauvetage. En vrai, non. Faut juste qu'on retrouve Percival. Je pense pas qu'il soit en danger. En tout cas, il est au fond d'une base de spatiards. Les spatiards sont morts. J'ai pas entendu de cri. Bon, certes, je pouvais pas ouvrir la porte, mais ça avait l'air ok, quoi. Donc, cet endroit ne fait pas du tout envie, hein. C'est vrai qu'on n'oublie pas qu'on avait un petit prédateur aussi à traquer. Ok. Alors, on est parti. Et je vais enfin pouvoir ouvrir cette porte. Que je n'arrivais pas l'autre fois. Là, j'avais tout pris de toute façon. Enfin, tout ce qui était intéressant. C'est vrai qu'en termes de laboratoire... C'est surtout du craft, quoi. Ouais, là, il me faut... Ouais. Je peux pas vraiment faire de soins encore. Après ça va, là on a... J'ai fait un peu le stock. C'est vrai que ça pourrait être cool. Mais la nourriture malheureusement... pour l'instant n'est pas efficace. Donc ça sert vraiment à rien de la ramasser. C'est le réflexe quoi. Ah c'est vrai qu'on a toujours une petite fringale quoi mais... Pouvoir marcher quand même plus important. Ok. Peut-être faire gaffe quand même. Très bien. Non, ça c'est des bobines, ça m'intéresse pas. Oh, c'est quoi ça? C'est une foreuse ou... possiblement. Pour l'instant c'est calme. Oh! Oui, je pense que c'est une... On dirait une entrée de vault. C'est une foreuse. Est-ce que je l'atteins ici là? Non. J'ai pas spécialement envie de
descendre. Après, s'il y a des ressources, je pense qu'on peut remonter. Mais... ouais, je vais quand même éviter de... parce qu'il y a de la pesanteur, mais... on va rester concentré sur la mission. On va faire gaffe aussi, parce que possiblement... il y a des petites mines. Enfin, si je touche pas le sol, il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai que... non, je pense que Percival, on va le trouver en détente. En train de boire un petit verre et de faire des expériences. Ah, j'espère. On va pas le trouver attaché au fond de la... fond de la grotte, là. Ok. Des petits goodies. Alors. Du coup, c'est vrai que je pense que je prendrais le... ça peut être utile de pouvoir tout enlever d'un coup. Est-ce qu'il y a un triple avec un... il y a un... ah bah tous les 1 fonctionnent. Celui-ci aussi. Celui-ci. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est sûr, c'est là. Le quadruple, non. Celui-ci non plus. Celui-ci, oui. Après, en vrai, bon, c'est assez simple pour commencer par ceux où il y a le... où il y a le plus de choses. Et après, on trouve notre chemin par là. Ah, celui-ci. Bah parfait. Hop. Voilà. Oh, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal pour le coup. Ça, je vais le prendre pour le revendre. Ok. Oh, j'ai cru que c'était des... j'ai cru que c'était des tourelles. C'est très bizarre. On va quand même en prendre un peu. C'est vrai que ça va faire du bien aussi quand on va commencer à poser des bases, créer des ressources. Et surtout se rendre compte ce qui est utile ou non. Après, je me doute que le... tout ce qui est fer, tout ce qui est aluminium, ça va vraiment servir beaucoup. Il faudra qu'on trouve des planètes. Waouh. Ah ouais, mais en fait... ah ouais. Ah ouais, il y a un petit bunker en... ah ouais. C'est le fameux... une grotte peut en cacher une autre. Très bien. En tout cas, c'est très très calme. J'espère que ça va pas être synonyme d'un mauvais présage. Est-ce que je peux... ouais, il y a des chemins partout. Est-ce que je peux y aller directement là-bas? En vrai, avec le jetpack, on va peut-être suivre le chemin au cas où. Au cas où. Percival prenne ça pour une attaque. Oh, 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 oh. Danger. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'il y a des trucs... des microbes. Ça me rappelle une fois... petite anecdote. J'avais vu un camion un peu médical. Et sur les portes arrière, il y avait écrit qu'en gros, il transportait un... comment dire? Ouais, un microbe, enfin, il transportait quelque chose où il n'y a pas de remède possible. Donc en gros, si vous voyez les portes qui s'ouvrent, faut partir, quoi. C'est vrai que c'était assez, assez technique. J'ai vu comment c'était... c'était mis. Mais c'était un peu ça, quoi. C'est un truc microbiologique et il n'y a pas de soins connu encore par l'homme, donc vaut mieux pas que ça s'ouvre ou qu'il y ait un accident avec le camion, quoi. Moi, j'aime pas ça, là, c'est... Ouais, bah, on trespasse, hein, de toute façon, on est là pour sauver des gens. Ok. Bonjour. Can't say I don't appreciate it, but I doubt you came all this way just to do me a favor. En partie. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Alors c'est très simple, j'ai un échantillon de tissu à faire analyser, en détail. Tissue sample? You came all the way down here for that? Mais monsieur... must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? Des cellules d'orimorphes sur un monde trop jeune pour en avoir. A fast-growing pteromorph. That is concerning.
Who exactly told you to bring this to me? Adrienne Sanon. Adrienne? She's... She gave you this? Absolument. If she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. Je vous suis. Ok. Bon, ben, il était chill, hein, comme prévu. Hop là. Oh, vous avez vite changé. Ok, bon, on... Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Pas de soucis. C'est pas mon genre de château. You mentioned how you took care of the dead. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research. But I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Ouais, je pensais pas trop mal, hein. Ah oui, mais vous êtes... Vous êtes bien équipé, là. Vache. Je regarde juste, hein. All queued up. Wow. Let's gaze into this abyss, shall we? All right. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Très bien. Adrienne really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. L'échantillon est authentique. Je l'ai moi-même prélevé sur l'Orimorph après un combat acharné. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst Terramorph attack in human history. Ah. I presume you've heard of Londinian. Un peu, oui. Adrien m'en a parlé. J'ai l'impression que ça a été une vraie tragédie. It was. An entire city wiped off the map. The swarms were so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any Terramorph should. Which means... If we're about to start a new era in human-Terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, bah super. That's not gonna end well for humanity. So, you lugged this bad omen all the way here. You wanna tell me what your plans are for it now? C'est une bonne question, ça. Je dois vous emmener voir Adrienne avec votre analyse. Je vous attends en 6e cercle. Retroussez-vous les manches, on va approcher les prochaines attaques. On y va, tâchez de pas me ralentir. Mais l'attaque sur Londinien était massive, non? Qu'est-ce qu'un Orimorph a de si inquiétant? Because until now, the Terramorphs that wiped out Londinian had the good sense to stay put. What happened there? It was a tragedy, but at least it was contained. Aye. So to find evidence for a similar attack on a different world, well, we don't have enough information to know precisely what this means, but I doubt it's good. So I'd love to know what it is you're planning from here. Je dois vous emmener voir Adrienne avec votre analyse. Elle nous attend au 6e cercle. The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Ça marche. Ok. C'est vrai que... Ça vous dérange, là, vite fait, si je fais un petit tour rapide? Ok. J'espère que ça contenait pas des choses. Ça relie là. Hein. Bah, je reviendrai. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Oh, c'est un peu le bazar aussi par contre. Hein. Je sais pas ce qu'il y avait derrière cette porte. Cette porte maître, mais... Ouais, c'est gigantesque. En vrai, je suis curieux quand même. Excusez-moi, docteur, mais... Ça m'intrigue. Alors. Tac, 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 tac. Alors, déjà les gros. Ça, c'est parfait. Voilà. Celui-ci.
Il va aller comme ça. Ah, je peux mettre celui-ci aussi. En dessous, il y a quoi? Il y a un triple. Je pourrais mettre ça avec un petit 1. Et en bas, c'est un 2. Il pourrait y avoir celui-ci. Un 2 et un 1. Voilà, c'est ça. Et là, il me faudrait un triple bizarre. Ben voilà. Parfait. Tac. 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 Hop. Parfait. Ça commence à venir. Oh. Ah, mais en fait, je relis juste les... Hein. Ah ouais, c'est juste pour les cellules. C'est rien dans celle-ci aussi. Bon, pas réflexe. Au pire, ça m'augmente le défi. C'est pas plus mal. Très bien. Bon. C'est bon, docteur. On peut y aller. C'est juste ma curiosité. Vous allez vous y faire. C'est vrai que... Ça, c'est nickel. Oh. Les câbles. Par contre, quand vous parlez d'ascenseur... Allez, allez, restons concentrés. Restons concentrés. On y va, on y va. C'est vrai que moi aussi, j'aurais besoin d'un bon... Ah oui, il y a tout un... Ah ouais, mais... Ok, là, c'est son petit endroit où... Puis on sait... Bon, ça vous dérangera pas que je prenne... Que je prenne quelques munitions. On va l'air au calme ici. Ça va pas vraiment vous servir. Bon, au pire, je reviendrai. Hop. Très bien. Alors... par contre, j'espère... Ah, on sera peut-être sur un timing... Bon, ça, ça vous concerne pas, mais... Sur le timing pour aller effacer les données pour mon inscription. Hop là. Ah bah, si j'avais su, je me serais posé... Je me serais posé ici, quoi. Repère naturel. Ah, j'en aurais besoin aussi de ça. Ça va, le vaisseau est pas trop loin. Ah, mais mignon, c'est... C'est marrant parce que c'est pas caché, mais en même temps, ça l'est un peu quand même. Parce que ça, c'est suffisamment haut pour pas qu'on puisse voir les... Ah ouais. Il y a ça aussi là-bas. Ah ouais, c'est... Ouais, on a fait du chemin, hein, mine de rien. On a fait du chemin. Ouais, il faudrait que j'aille voir ce repère. Il manque deux ressources quand même ici. Je sais pas vraiment ce que c'est. Du chlore et du... Ok, bon, ça va être dans... Faut que je trouve une grotte. Ça, c'est pas très grave. Ah, mais est-ce qu'on est loin, là, de Sidon? Ouais, bah oui, je pense qu'il faut que je prenne le vaisseau. Est-ce qu'on a là le truc, là? La structure. Bon, on est quand même assez loin de Sidonia. Mine de rien. Espérons que je sois sur un timing... D'Happy Hour aussi, ça pourrait être cool. Au pire, j'attendrai comme ça, ça sera fait. On pourra vraiment passer à autre chose. Hop. Tac. Impeccable. Vas-y, docteur, mettez-vous à l'aise. Bon, on va pas faire beaucoup de trajets, mais bon. C'est vrai que ça aussi, ça serait vraiment stylé que... Ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de toucher à la construction. D'avoir son petit... sa petite zone d'atterrissage, là, de se poser chez soi et tout. Ça va être vraiment cool. Du coup... c'est le bar qui est en bas. Oui, c'est le bar qui est en bas. C'est celui-là qui est en haut, c'est la lance. La lance cassée. Tac. Ah, c'est bon ou ça... Peut-être qu'il y a un accident là, je me semblais que c'était plus haut. On verra bien. D'ailleurs... Juste vérifier candidature. Non. Ouais, c'est pour ça aussi que je vais le faire. C'était où? Je sais même plus. Si c'est. Ouais, c'est ça. Et la Happy Hour, c'était à quelle heure? 17-18, je crois. Bon, on verra bien. C'est pas très grave. Hop! Tac! Impeccable.
Hadrian. Percival. Oh. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Gentil, ce loup. Ah, y a pas de porte. Très bien. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Y a pas de quoi. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. En vrai, non. Ça m'a même permis de m'enrichir, donc c'est un peu nickel. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être quand même un peu plus de spatiards. Je m'attendais à, voilà, quand même une petite bande, mais là, c'est vrai qu'ils étaient nombreux. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's going to take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. Logique. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Très bien. Si tout ce dont vous avez besoin est de charmer quelques bureaucrates, vous pouvez compter sur moi. Vous ne cherchez pas des données ordinaires, on dirait, je crois que vous me devez une explication. Le cabinet? Qu'est-ce que c'est? The cabinet's the UC's highest governing body. The president, top military brass, scientific and diplomatic division heads. Oui, d'accord. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. Je vois, je vois. Les charcifs de l'armistice. Mais c'est quoi le rapport avec Liberastra et la maison Varum? Well, when the colony war came to a close 19 years ago, with the signing of the armistice, three factions were involved in the negotiations. The UC, Freestar, and House Varun. They made a lot of decisions about what sort of tactics should and shouldn't be permitted in future conflicts. All information related to the things they decided should be banned was locked away in the archives. Now, it's possible to get things out of there, but only with the agreement of members from all three factions. And as to what our research is doing in there, well, I'll get to that. C'est vrai que j'aimerais bien une explication, parce que ça n'a pas l'air juste des recherches classiques. Of course. You deserve the full story. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Ah oui. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC Xeno warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Très bien. Je sais qui vous êtes parce que votre passé, ce ne sont pas mes affaires. Ça n'explique toujours pas ce que font ces données sur les remères dans les archives. Bah si, parce qu'ils s'en servaient. Bah si. Ils s'en servaient à l'époque en fait. Ils ont créé des aliens pour. Je me demandais si vous alliez un jour partager cette information avec moi. Oh. You already knew. I'm sorry about that. It didn't seem relevant in the moment, and well, it's not something I'm exactly proud of. Oh, but it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield.
The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Ça marche. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Je l'espère, oui. Eh bien, écoutez, on va coller par le cabinet, hein. C'est parti. All right. I'm gonna go get this workup into the cabinet's hands. I'll meet you out front of MAST in New Atlantis. Parfait. Good luck. You two are gonna need it. Oh, on a fait le plus dur, je pense. Parfait, en plus, New Atlantis. Je comptais bien y retourner. Oh, Vasco! Trouver la porte. Du coup. Donc, ça, c'est nickel. C'est parfait en plus parce qu'il fallait retourner. Ah, c'est bien quand tout s'aligne. Quand les astres s'alignent. Par contre, ouais, je crois que c'était 17-18h le. La P-Hour. Il est 14h27. Ouais, voilà, je peux aller au pire vendre 2-3 bricoles. Ça marche. Et attendre qu'ils y aillent. Comme ça, ça sera fait. Je me suis trompé d'étage. Y'a pas de soucis. Comme ça, au moins, on lancera ça aussi. C'est vrai qu'aussi sur Atlantis, il faut que j'avance aussi l'autre candidature. On va travailler un peu sous tous les fronts. Parce que malheureusement, il n'y a qu'un seul accès, quoi. Il n'y a qu'un seul accès, quoi. Ah, il y a encore tout le monde ici, là. Je pense que cet ordinateur, là, il va être important. Ouais, bah écoute, mon petit Vasco, il s'est reperdu. Bon, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu... je vais un peu vite. Ouais, je vais aller vendre des trucs en attendant l'heure de la P-Hour. Et on ira supprimer toutes ces données. Enhance... Magic... C'est tiens, parfait. Et bonjour. Ok Vasco, ça va être l'heure. J'ai l'impression que ça bouge. On va attendre tranquillement que ça s'en aille. Je pense qu'on va être bon. A reminder that particle detonations can occur beyond the city limits between the hours of 0600 and 1800 local time. Belle journée, hein. Let's go. Unless you're a Deimos employee, I can't really. Affirmative. Attends-moi ici, Vasco. Très bien. Bon, ils sont pile à l'heure en tout cas. Bonjour. Ils sont pile à l'heure pour l'apéro. Oh. Monsieur, bonjour. It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I can't recall the last time we've had any major issues. I'm a bit busy at the moment. Lots of business operations to operate and all that. Pas de soucis. Je venais juste régler le souci de l'ordinateur. Je passe sur Mosadi, bon, en train de... je fais que passer, hein. Ok. Ok. Alors. Ça. Ça. Ok. Parfait. Hop là. Ok, c'est bon, c'était juste un problème de souris. Un classique, mais c'est réglé. Ok. Bon, ça c'est bon. Good day, allez, mon petit Vasco. I will accompany you at once. Ça, c'est réglé. Bon, on va aller voir Trevor directement. L'ascenseur. C'est moi où j'ai réussi à me perdre là en... Bah. Hein? The military life may be tough, but damn it. Ah, c'est juste là. Wow. C'est pas facile. Wow. Ok. Faut se faire broyer aussi, mais ça, c'est un autre détail. Alors, Trevor. Notre ami Trevor. J'avais pas vu le courant qui passe à une vitesse. Don't worry. Trust me.
This is the best shot we've got at getting that request approved. C'est fait. Il y a plus un seul candidat à part moi. And I can say that I've got some good news for you. Ah. I just saw the company message go out that you've been hired as Peter's assistant. Congratulations. Merci, merci. On peut passer à l'étape suivante de votre plan, du coup. Next step should be easy. Just go to work for Peter, and when you get access to his terminal messages, you'll see my request. All you've got to do is approve that request, and we'll be right on with it. Then, we can get that new equipment, and show corporate how it's done. Ça marche. Très bien. Alors. Ça, on est bon. Par contre, ouais, si en vrai, tant qu'à faire, autant régler tout ça ici. Et après, on pourra tranquillement rentrer sur sur Jamison. Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe que. Bah, faut vraiment pas toucher les câbles là. Alors. Oh. Vasco, j'ai peut-être fait une bêtise. Je me suis fait passer par l'informaticien. Après, je pense qu'il m'a totalement ignoré, donc... il me reconnaîtra pas. Bonjour. Some ought to remove those dreadful little cartoon pictures on the walls around town. But they clash with the... metal wall aesthetic. Oh, have you... You're finally back. I feel like you've been gone for ages. Do you know how tough this job is without an assistant? Ouais, je m'en doute, ouais. Je suis là maintenant, on peut s'y mettre. Good. Now, let's me... You look a bit different than I remember. Did you go to Enhance? No. Now I remember. They told me they sent me someone new. C'est ça. Anyway, when they told me how poorly you did on your application questions, I had my doubts, but at least you showed up on time, so maybe there's hope. Well enough, chit-chat. Let's get to work. Pas de problème, indiquez-moi votre ordinateur et je m'attellerai à vos messages. Not quite. I need you to do something much more important before you get to that. Très bien. I'm expecting a personal shipment. I'm not sure why, but the last time this happened, my assistant ended up speaking to Governor Hurst about it. Now, run off and get it for me. Il arrivait quoi, votre dernier assistant? I don't know. At first, I thought I had multiple assistants that rotated in and out, but it seems I've only ever had one at a time, and they all just stopped showing up. Ah. I believe my last assistant was supposed to get me some coffee, but never came back. I honestly wasn't listening to whatever they were crying about. Mmh. Très bien. Et il y a quoi dans la cargaison, c'est pas indiscret? What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place to ask. Bad assistants get fired. Mediocre assistants get... You know what? I forgot where I was going with this, but it doesn't matter. Just get it for me, will you? Also... Ça marche. I don't quite remember. But it is important, that I know. Très bien, très bien. Bah, j'y vais tout de suite, du coup. Oh, you're done? Non, là, j'y vais. Ah oui, non, il est vraiment perdu. Il n'y avait aucun risque qu'il me reconnaisse. Je suis sûr qu'il ne m'a même pas calculé en plus, de toute façon. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le gouverneur. Monsieur, bonjour. You simply won't find a politician who works harder for his people than I do. Comment ça va? Hello, welcome. I don't usually have time to speak with random people off the street, but I'd be happy to help if it's something quick. What can I do for you? J'espérais juste vous poser quelques questions, je ne fais que passer... En fait, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Something important, huh? Well, lay it out for me. Gouverneur Hurst, je viens de la part de Peter Brennan. Well then, you've been quite busy making a name for yourself, haven't you? C'est ça. Vous avez entendu parler de moi, on dirait. Heard of you. Of course, how could I not? So look, I admire a go-getter like yourself. You're not in trouble, unless you make trouble. And I don't think you're the type. C'est tout à fait moi. I know you're not really Mr. Brennan's assistant. I don't know exactly what you're up to.
but I have little reason to suspect you're up to no good. Et vous avez raison. So let's cut to brass tacks. What can I do for you? Je cherche la guérison personnelle de Monsieur Brennan. Il a dit que vous savez ce qui lui est arrivé. Oh, I know exactly what happened to that shipment. However, I suspect Mr. Brennan neglected to tell you that I'm holding it due to his immense backlog of unpaid taxes. Ah. Then again, he may be unaware. Look, I'll tell you what. I'll release that shipment for you. But I'm going to need a favor first, since you seem to be adept at keeping quiet. Pas de soucis. My personal spacecraft was stolen, likely by Crimson Fleet pirates. I need someone to find it. Then I need that someone to destroy it. Discreetly. Oh. I need tight lips on this. Ça marche. Mais pourquoi il faut détruire le vaisseau? Well, this is a tricky situation indeed. Not to get bogged down in details, but assuming this is the work of pirates, it's best to destroy the ship and everybody on board. Makes it cleaner for insurance purposes. C'est pas faux. Bah écoutez, je fais ça pour vous et vous me tenez cette cargaison. Then we have an agreement. I'll send you to the ship's last known location. Remember, not a word of this leaves this room. Ça marche. On va plus tard du coup. Hein. Ok, bon. On va dire que c'est comme ça que ça marche. Hein. Un service pour un service pour un service pour un service. Mais... c'est quand même bizarre cette idée d'histoire le vaisseau. Je comprends, c'est vrai que si c'est les pirates, autant tout détruire, mais je pourrais aussi l'accoster, tuer les pirates et récupérer son vaisseau. À moins qu'il ait quelque chose à cacher sur le vaisseau. Hmm. Ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse. Par contre, la question, c'est comment je vais pouvoir... comment je vais pouvoir l'aborder? En vrai, peut-être avec... c'est où? Avec ça, système de ciblage. Parce qu'à mon avis, si on cible les moteurs, bah, peut-être qu'on aura, on pourra avoir cette interaction d'aborder. d'aborder le vaisseau. Mais du coup, ouais, je sais pas... il manque quand même un peu d'XP. Est-ce qu'on la voit, l'XP, quelque... oh, il a. Ok. Bon, on n'a pas le détail, mais... j'en suis pas si loin que ça. Hein. En vrai, bah au pire, ça va retourner à Jemison. Comme ça, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir... c'est vrai qu'il y a ça aussi à retrouver. Mais ça, c'est par rapport... j'ai pas envie de faire ça maintenant, en fait. On a cette cible-là. Ouais, au pire, je pourrais lancer ça. Va pas falloir qu'on se trompe après, mon cher Vasco. Va vraiment falloir que je prenne des notes. Parce que je sens qu'on va me donner beaucoup d'informations. Et il faudra pas que je sorte les mauvaises infos. Enfin, certaines infos avec certaines personnes. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, au pire... ouais, je pense que ça va faire ça. Hein. Peut-être aller tuer la cible. Recouvrir la dette. Après, la dette de souvenir... le scanner m'indiquait que la zone était potentiellement un peu compliquée pour moi par rapport à mon expérience actuelle. Bon après, voilà. On va juste recouvrir une dette. Hein. Au pire justement, ça forge. L'aventure quand elle est dure, ça forge. On va pouvoir aller voir ça tranquillement. Ah. Vasco, je crois que Barrett nous a fait une blague. Y a pas de vaisseau.